Par le numéro 15. Voilà. Bruno Marchand. Il doit avoir des bons souvenirs à Gérard Mosson. La trajet TV6, numéro 104. Donc Peugeot allait faire les rallyes à Carré qui a remporté plusieurs motifs, ces fameux rallyes, comme le Bandama et autres. Derrière un autre membre du SRT, Jean-Pierre Soubstet, sur sa Sim Camille Rallye 2. Très belle tour. Ils se sont amusés comme des fous. La fameuse DS numéro 11, la DS coupée 9. Une Alpine, une D6 tout le monde. Monsieur Guy de Camp. Monsieur Poirot, vous plaît, cachez ça si vous allez parler. Vous pouvez aller voir sur les routes de France lors du Tour d'Auto, et à ce moment-là, le Tour d'Auto faisait vraiment le Tour de France. Ils faisaient tous les circuits, ils faisaient des spéciales. Ils doivent être préparés chez Darnaud Compétition. Ce sera celui du 99, le vice-président du SRT Dijon, Gérard Mousselet, et sa belle rallye de bras. Parce qu'il a accéléré. Encore avant. Avec le flip des groupes 5 dessous. Arrive derrière. Numéro 99, la Rallye 3, le vice-président du SRC. C'est parti pour la barre. La barre 2000 TC de Jean-François. Il sera suivi par Bernard Péa. Bernard Péa avec ça. Le rallye du Pau 16, numéro 213. Sur la ligne de départ. Avec la berlinette. Sponsorisée par la Casse de l'Europe. Michel Julien, suivi d'Alain Passerello, avec Alpine, Christophe Paul. Vincent Deschaumes avec la fameuse Jacinthe Turon, l'ex-roi Thierry Baton. Là, je peux vous dire que ça en donne beaucoup, c'est démarré un habitué de Porsche. Sera suivi du 51. Guy de Camp, Alpine de CGT. Romain Roussel. Au départ avec la belle Morgane. C'est monsieur qui a le château à l'arrivée du XI. Yeah.
vous, ceux qui ont des autos qui sont là en bas et qui sont sur le parc, vous pouvez vous préparer, on vous enverra. Même principe, hein. Il y a de la place pour mettre tout le monde. On va essayer de laisser quand même la place pour que les fourmis puissent se garer. C'était 40, arrive derrière, numéro 188. Par Philippe Jorand, sur la Sambar Ali numéro 203. Le 24 fameuse marquerette arrive derrière le 42. 249. Claude Portière avec la MGBV8. La fameuse R12 d'Ordini 155, c'est on sera derrière la MGB. Le 118, des voitures très graves, ces modèles. Le 69 arrive derrière Jacques Joliard. L'avant-dernière voiture à monter.